gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider encore à saluer ton frère de gauche? Du litio au bon endroit et au bon moment. Non, j'ai l'impression qu'il t'a pas bien entendu. Tourne-toi vers l'autre voisin, alors dis-lui tu es au bon moment et au bon endroit. Shalom à tous, bonjour. Nous sommes très heureux de passer ce moment dans la présence de Dieu. Bienvenue au Centre évangélique puissance de la résurrection, dans notre culte dominical. Et nous sommes très reconnaissants. Je vous transmets les salutations du pasteur principal de l'église qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas accepté ces salutations. Il dit, je te donne les salutations du pasteur principal qui s'appelle Jésus. Alléluia. Moi, je ne suis que son assistant. Alors, nous sommes très heureux d'avoir au milieu de nous un aîné dans la foi, un homme de Dieu qui fait un travail merveilleux. Pasteur Alain Kitenge de l'église Centre évangélique Torrent de Vie, La Borne, au niveau de Congo-Kinshasa. Il est arrivé depuis vendredi. Nous étions avec lui le vendredi dans notre programme. Hier, nous étions avec lui également dans notre réunion des jeunes. C'est très bien passé. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Et il est encore avec nous ce matin. Amen. Alors, il n'est pas venu seul. Il est accompagné de son épouse, Maman Joujou. Alors, je vais leur demander de se lever. Nous voulons déjà les accueillir. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Amen. Le pasteur Alain. Merci. Dieu vous bénisse. Maman Joujou. Et ce matin, celui qui va nous parler de la part de Dieu, Dieu va nous parler au travers de lui. Et je lui demanderai d'être vraiment attentif parce que Dieu a un but. Amen. Nous sommes vraiment bénis tous ces derniers temps avec les différentes grâces. Et pour nous, c'est un privilège, c'est une joie, c'est un honneur de vous avoir. Ici en Europe, vous avez beaucoup de programmes aussi, beaucoup d'invitations. Et vous avez accepté d'honorer à notre invitation en ce jour. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, je vais l'appeler. Pasteur Alain, que le Seigneur te bénisse. Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. J'aurais bien voulu, comme c'est la première fois, serrer la main de tout le monde, mais ça me prendra autant de temps. C'est pour ça que je voudrais que vous soyez mon ambassadeur auprès de votre voisin. Saluez-les de ma part, dites-lui le pasteur Alain vous salue. Ne privez personne de mes salutations, s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il été privé de mes salutations? Que le Seigneur soit béni. Mon épouse et moi sommes très reconnaissants au pasteur Douglas ainsi qu'à madame pour cette grâce que vous nous donnez d'être ici depuis vendredi. C'est vrai, nous sommes arrivés vendredi matin, le soir, il fallait déjà venir ici. Nous nous sommes dit, c'est notre boulot. C'est notre boulot, il n'y a point de repos. Et hier, nous étions avec les jeunes, c'était très bien. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs invitations, mais quand le pasteur Douglas a voulu que nous passions ici, nous l'avons mis en priorité. Parce que comme je l'ai dit vendredi, vous êtes une chambre de la grande maison. De la grande maison là-bas. Et chaque fois qu'une des chambres a besoin d'un enfant de la maison, eh bien, on n'hésite pas. C'est donc pour nous une joie d'être ici. Soyez-en sûrs. Nous sommes contents de vous avoir vu et d'être passé ici. Et merci pour la gentillesse des frères et particulièrement des jeunes. Ils étaient très gentils avec moi hier. Je voudrais vraiment les remercier. Et je me suis senti très, très, très à l'aise. Pouvons-nous prier une minute, s'il vous plaît? Père de gloire, merci. Ce n'est pas un homme ce matin, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. C'est toi que nous voulons entendre, Père. Je prie comme ton serviteur l'a si bien dit. Toi qui es le divin berger, toi le pasteur principal de ton église, parle et que, Seigneur, je ne sois qu'un simple canal. Que les mots viennent de toi. Seigneur, merci. Bénis ton peuple ce matin. La gloire à toi et l'édification à nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 4.
versets 35 à 41, Marc 4, 35 à 41. Vous savez, ce matin, j'ai prié, je me suis dit, je ne suis pas sûr que la parole qui va être dite ce matin, c'est une parole pour tout le monde. C'est juste pour une catégorie de gens. J'ai prié que tu sois dans la sélection là. Je ne suis pas sûr de parler à tout le monde aujourd'hui. Peut-être à 2, 3, 4 personnes, mais ceux à qui cette parole est adressée seront richement bénis. Seront richement bénis. Nous lisons au nom du Seigneur, Marc 4, 35 à 41. Ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer ?» Ah bon, vous ne l'avez jamais connu, vous vous demandez quel est donc celui-ci. Chers disciples, vous êtes avec le maître depuis assez un bon moment, mais vous ne savez pas qui est Jésus. Eh bien, ils ne le connaissaient pas jusqu'à cette étape ici, parce qu'après cette aventure, ils vont le connaître autrement. C'est pour ça le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Une tempête de révélation ». Une tempête de révélation. Parce qu'après cette tempête, les disciples vont connaître Jésus sous une autre dimension. Et d'emblée déjà, au verset 35, nous comprenons en lisant que c'est Jésus qui a invité ses disciples à aller de l'autre bord. Ils ne sont pas allés d'eux-mêmes. C'est pour ça que quand tout est arrivé, ils pouvaient dire, « Maître, ce n'est pas nous qui avons demandé de venir ici. C'est toi qui nous as conduits. Nous étions bien de l'autre côté avec la foule. Mais toi, tu nous amènes ici. » Et il fallait traverser le lac Galilée, 20 km de long, 10 km de large. Ce n'était pas une simple promenade. C'était un vrai périple. Ce n'était pas une petite distance. 20 km de long, 10 de large. Eh bien, c'était un vrai périple. Et pas n'importe lequel. Et au verset 36, après avoir envoyé la foule, la Bible, il est dit, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Remarquez la méthodologie du Seigneur. En fait, la révélation que les disciples allaient avoir était une révélation sélective. C'est pour ça, d'emblée, on nous dit déjà, après avoir envoyé la foule, il voulait que l'expérience que les disciples vont avoir, ce ne soit une expérience uniquement pour les disciples. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que la foule soit là. La foule a été renvoyée car l'expérience à laquelle les disciples allaient passer ne leur concernait pas, ne concernait pas la foule. Ça concernait juste les disciples. Et même dans ces bacs, il y avait des pêcheurs expérimentés. Mais avec ce qui va arriver, même les pêcheurs les plus professionnels n'avaient pas de solution. Ils n'avaient pas de solution. La Bible dit, vous savez que ce récit est dans plusieurs évangiles. Luc 8, parlant du même récit, dit ceci au verset 23, « Ils étaient en péril. » Mais Marc dit, « Il s'éleva un grand tourbillon et il s'est jeté, et le flot s'est jeté dans la barque. » Alors ils se sont dit, « Mais quel est donc celui-ci ?» au verset 41. C'est qui ce monsieur qui commande au vent, même à la mer? Bien-aimé, il faut avoir la révélation de celui qui marche avec toi. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que Dieu m'envoie te parler de la tempête des révélations. Jusque-là, vous avez été avec moi, vous ne me connaissez pas. Vous m'avez peut-être connu sous une autre dimension, mais ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu connaîtras Dieu sous une autre dimension encore. Quel est donc celui-ci? Vous ne le connaissez pas, mais tu dois connaître la personne avec qui tu marches. Tu dois connaître de quoi elle est capable. Pourquoi avez-vous peur, dit le Seigneur? Vous savez, la peur est assimilée à un miroir qui grossit l'apparence d'un problème.
La peur, c'est comme un miroir qui grossit un problème, qui vous fait voir le problème grand alors que le problème est petit. Il vous fait voir votre expérience peut-être douloureuse et au mieux vous avez l'impression que c'est plus douloureux que des autres. Et ça, c'est la peur. Ainsi, par peur, les disciples ont appelé le Seigneur fantôme, simplement parce qu'il marchait sur les eaux. Non, il est le maître. Il est le maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous donc peur? Et je voudrais m'arrêter ce matin sur le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? La vie des disciples était en danger, non seulement à cause de la tempête, mais parce que leur foi n'était pas à la hauteur de la situation. C'est pour ça que leur vie était en danger. Leur foi n'était pas à la hauteur du problème qu'ils traversaient. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois des vents, il y a des fois des tempêtes. Et votre foi, si elle n'est pas à la hauteur de ces problèmes-là, vous allez vous dire, mais c'est un fantôme. C'est un fantôme. Il fallait que leur foi soit à la hauteur du problème. Il fallait qu'ils comprennent que le même qui a pu multiplier les 5 pains et les 2 poissons, il est capable de parler au vent même aux tempêtes. Oui, leur foi n'était pas à la hauteur de leur situation. Et comme je l'ai dit, c'est ici le point capital de notre intervention. N'avez-vous point encore de foi, malgré toutes les œuvres de puissance et d'amour que j'ai fait au milieu de vous? Vous ne m'avez pas cru. Vous ne savez pas que je suis capable de vous donner, même si je peux vous nourrir, même si je peux par un miracle permettre que votre situation administrative soit régularisée en 8 jours, en 7 jours. Mais je suis aussi capable de faire au-delà de ce que vous pensez. Dieu est capable de donner un enfant à une femme qui a 50, 52 ans. Nous connaissons une sœur, 52 ans. Et là, ils sont premier bébé à Kinshasa. Alors que toutes les lois de la médecine ont prouvé et prouvent que la ménopause commence à partir de 45 ans à peu près. Mais à 52 ans, elle a vu dans ses mains, 52 ans. 52 ans. Les médecins ont dit non, mais celui qui a créé toutes les cellules de notre corps dit oui. Il dit oui. J'en ai peu de foi. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Le mot foi ici, pistis, qui veut dire une conviction de la vérité de toutes choses. Pourquoi vous n'avez pas la conviction de la vérité que vous voyez? La peur était bien naturelle à un tel moment. Seule la foi aurait pu la dissiper. Alors, en quoi les disciples ont-ils manqué de foi? N'ont-ils pas recouru à lui dans les dangers? Oui, même dans les troubles, ils ont pensé un moment qu'ils allaient périr. Or, dans cette barque, ils devaient savoir que dans cette barque reposaient les détenteurs du salut de l'humanité. Reposaient dans cette barque les détenteurs du salut de l'humanité. Pourquoi Jésus a-t-il taxé ses disciples de gens de peu de foi? Deux réponses. La première réponse. Parce que Jésus faisait comprendre aux disciples qu'il ne leur avait jamais dit qu'il allait mourir par noyade. Amen. Est-ce que Jésus avait dit que moi je viendrai, je naîtrai d'une femme et je mourrai par noyade? Non! Il devait comprendre que dès qu'il est venu au monde, ce n'était pas par noyade qu'il allait mourir. Donc même s'il y a tempête, soyez que je ne mourrai pas. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 9, versets 43 à 44. Écoutez comment Jésus allait mourir. Il est dit, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. C'est comme ça qu'il allait mourir. Mais je ne suis pas encore livré. Vous voyez une tempête et vous croyez que vous et moi, nous allons périr. Je ne mourrai jamais par noyade, moi, le Fils de l'homme. Puisqu'il en est ainsi, vous ne mourrez pas. C'est là Jésus leur a dit, mais vous êtes gens de peur. N'avez-vous pas compris? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les tempêtes qui soufflent, souviens-toi qu'il y a une promesse de Dieu dans ta vie. Et cette promesse-là, elle n'est pas encore évoquée. Jésus n'a pas dit que tu mourras comme ça.
Jésus n'a pas dit que tu finiras comme ça. Jésus n'a pas dit que les choses resteront. Ma Bible à moi me dit que les ténèbres ne règnent pas éternellement. Il y a toujours eu un soir, mais il finit toujours par avoir un matin. Un matin. Si un homme connaît sa destinée, sa destinée, il va se rire des événements qui lui arrivent. Si je connais jusqu'où je vais, si je connais pourquoi Dieu m'a sauvé, pourquoi il m'a amené à le servir, je veux me rire de tout ce qu'il y a comme événement autour de moi. Le problème avec toi, tu n'es pas sûr de ta destinée. Penses-tu que le maître a accepté les clous sur le paume de ses mains, sur ses pieds, pour que toi tu puisses mourir comme tu meurs là? L'œuvre de la croix n'a pas été vain. C'est un travail qui a été fait pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et sauver veut dire sauver. Sauver. Il faut savoir c'est à quoi tu es appelé. Quand tu sais c'est à quoi tu es appelé, tout ce qui arrive dans ton parcours là, ça sera des choses qui vont te faire rire. C'est pour ça que David devant Goliath ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Amen. Il savait qu'il devait être loin pour régner. Amen. Mais il n'avait même pas encore régné. Il a une Goliath allait le tuer. Amen. Je viens d'être loin. Et Goliath est présent devant moi. Mais je n'aurais pas peur de Goliath. Dieu m'a dit je vais régner. Donc Goliath là, je vais passer parce que je dois régner moi. Amen. Je dois régner moi. C'est pour ça qu'il faut avoir l'œil de la foi. Il faut avoir l'œil spirituel. David ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Il savait qu'il était entre Goliath et lui. Il n'y avait que lui qui était assuré du lendemain. Il n'y avait que David qui était assuré du lendemain. Goliath n'était pas sûr de vivre après le combat. Mais David était assuré parce que Dieu avait dit que c'est toi qui vas régner sur Israël. Et Samuel venait de les rejoindre. Siméon dans Luc chapitre 2. Il avait un lendemain assuré. Parce que la Bible dit concernant Siméon dans Luc 2, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Fils de Dieu. Il a été dit ça à Siméon. Donc imaginez-vous, Dieu vous dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu tes arrières petits-enfants. Mais même si on dit que tu as un cancer, Dieu a dit que je ne mourrai pas. Je n'ai pas encore vu, je ne mourrai pas. Parce que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je parle aux gens qui ont des promesses de Dieu ici. Pas des promesses des hommes. Pas des choses qu'on vous a dit juste pour vous plaire, pour agréable à l'oreille. Non, des vraies promesses de Dieu. Vous savez ce que Dieu vous a dit. Alors quoi qu'il arrive, ce qui arrive devant vous, vous n'aurez pas à voir trembler, à pouvoir avoir peur. Ce ne sont que des tempêtes de révélation. Jésus leur disait par cette question notre thème, après avoir passé tout ce temps avec moi, vous ne savez toujours pas qui je suis. Comment est-ce possible que vous pouvez marcher avec moi aussi longtemps et vous ne me connaissez pas intimement? Vous ne savez pas que je suis celui qui va au-delà de ce que vous pouvez voir. Pouvez-vous imaginer cela? Les propres disciples de Jésus ne les connaissaient pas. Non, non. Ils avaient accompli des miracles de guérison, nourri des masses, des personnes affamées, mais ils étaient encore étrangers à qui était vraiment leur maître. Ils ne connaissaient pas vraiment Jésus. Et ça, c'est dommage. Donc, Dieu dit, la première réponse, pourquoi Jésus pose cette question, c'est parce qu'il s'étonnait du fait que les disciples croyaient que, comme il y avait la tempête, ils allaient tous périr avec lui. Or, lui, ce n'était pas la voie de sa mort. Deuxième réponse, Jésus voulait dire aussi aux disciples, comment pensez-vous périr dans la tempête alors que j'ai un projet pour vous? Quand il les a appelés, voici le projet. Luc, Matthieu chapitre 10, verset 1. La Bible dit ceci. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils avaient une mission. Le Seigneur les a attirés à lui, c'est pour propager la bonne nouvelle dans l'humanité. La mission n'avait même pas commencé. Et ils pensaient qu'ils allaient périr là. Mais Jésus, ce n'est pas un aventurier. Il y a un planning dans ta vie. J'ai une mission avec vous. Et vous croyez que c'est cette tempête qui va vous faire arrêter la vie? Non. Non, non, non.
parce que j'ai un projet pour vous et avec vous. Avec moi, où les autres ont, là où les autres ont péri avec moi dans la même tempête, vous ne périrez pas. Parce que j'ai une mission avec vous. Même si le poisson t'avale comme ce fut le cas pour Jonas, sache que ça ne sera pas pour te tuer. Mais le transport te servira, le poisson te servira de transport aller-retour vers ta destinée. Amen. En fait, le poisson n'était qu'un moyen de transport pour Jonas. Il a quitté sa mission et le poisson l'a ramené calmement. Dans la bouche du poisson, il y avait quelque chose qui devait être accompli avec Jonas. Je suis en train de pouvoir te rendre d'être têtu avec la vie. Parce que Dieu, je l'ai dit aux jeunes hier, si plusieurs d'entre nous, nous sommes venus au monde, c'est parce que nos parents se sont mis ensemble, se sont accouplés. Mais écoutez, le fait, ce n'est pas seulement le fait là que les parents ont voulu que nous venions, que nous sommes là. Parce qu'il y a des parents qui font tout pour avoir des enfants, mais ils ne les ont pas. Ils utilisent toutes les méthodes scientifiques, médicales, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants malgré l'argent qu'ils ont. Mais toi, Dieu a permis que tu sois en vie jusqu'aujourd'hui. Amen. Que tu naisses, c'est qu'il y a une mission. C'est pour ça que je t'invite à t'éloigner de tous les événements qui entourent ta vie. Ris-toi, moque-toi de tout ce qui t'entoure, de tout ce qui fait comme tempête dans ta vie. Amen. Je suis venu te dire ce que Dieu a dit hier. Il ne l'a pas abrogé. Il ne l'a pas abrogé. As-tu entendu la voix de Dieu? As-tu entendu un jour Dieu te parler? Plusieurs ici, peut-être quand ils sont nés, leurs parents, leur mère ou leur père ont eu les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Plusieurs ici, plusieurs mamans. Je crois que quand vous avez vu au monde, pour la première fois, Dieu a dit quelque chose sur l'enfant. Et vous pensez que cet enfant-là mourra comme ça, sans avoir accompli ce pourquoi il est venu dans le monde. Non! Non! Je dis non! 9 heures, comme disent les Anglais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. J'ai une mission pour vous, chers disciples. La tempête là, elle ne va pas vous emporter. Je l'ai dit au début, je ne suis peut-être pas venu parler à tout le monde, mais je suis venu parler à une catégorie de personnes qui traversent une tempête qui vous avez l'impression que ça vous embarque. Vous avez l'impression que vous êtes en train de partir, ça ne va plus. Surtout vous qui vivez ici en Europe, waouh! Trop de stress, trop de problèmes, trop de taxes, trop de ceci, trop de... Maintenant, tout est orange, tout est rouge. Il faut être prudent partout. C'est le contrôle de ça, on vous contrôle partout. Vous voyez, quel stress. Mais même si, bien-aimé dans le Seigneur, on venait à faire à poser une bombe dehors ici, les détenteurs de promesses qui sont ici ne mourront pas. Amen. Je l'ai dit, personne ne mourra. Amen. Personne. Parce que nous savons pourquoi nous sommes nés. Et je n'ai pas encore même fait la moitié de ce que je dois faire. Amen. La tempête, elle ne va pas m'emporter. Le sort des disciples dépendait du sort de Jésus. Donc la tempête de Marc 4 était la tempête de révélation. C'est-à-dire, les disciples devaient connaître Jésus sous une autre dimension. Le problème avec toi, c'est que tu n'arrives pas à comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est pour t'amener une nouvelle révélation. C'est chômage qui dure là. Ce n'est pas un problème pour t'écraser. C'est juste que tu connaisses Dieu dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Ça traîne, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, rien. Ce n'est pas un problème. Est-ce que tu comprends le message que Dieu est en train de te donner? Est-ce que tu comprends ce message? Je suis en train de parler à l'église, j'enseigne sur le langage de Dieu. Et je dis à l'église, frère, Dieu a mille et une façons de nous parler. Il a mille et une façons de nous parler. Le problème avec nous, nous attendons toujours Dieu à gauche. Pour que les choses marchent, ça doit suivre cette méthodologie. Un. Alors que Dieu, c'est un Dieu multiméthodique. Je ne sais pas si ça existe en français. J'invente si ça existe. J'ai quand même le Saint-Esprit, je peux inventer les mots. J'ai l'Esprit à moi, je peux inventer les mots. Voltaire n'avait pas l'Esprit Saint. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Donc, je suis supérieur, je peux inventer.
frères et sœurs, je voudrais que tu prennes les choses de cet angle-là. Tu comprennes que le maître qui t'a sauvé, il a un plan avec toi. Il n'a jamais dit que tu mourras par chômage. Il n'a jamais dit que tu mourras par cette maladie-là. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit. C'est vrai, ma femme n'aime pas trop. Je parle trop de ces témoignages. Je dis, mais c'est devenu périmé ces témoignages. Mais je vais les donner quand même. Moi que vous voyez, vous savez, je suis né de ma naissance jusqu'à ma conversion. Je souffrais, c'est surtout en Afrique, je souffrais de cette maladie-là, l'épilepsie. Ceux qui connaissent cette maladie-là, c'est une maladie quand quelqu'un là, à tout moment, il peut cliquer une crise. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et vous savez, en Afrique, on a toujours tendance à chercher. On est allé de maison en maison. J'ai trop de cicatrices. On me faisait des piqûres partout là, pour essayer de pouvoir arriver. Vous savez, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la braise, la poussière de la braise. On prend l'huile de palme. Et on met des gilets sur moi là, des lames de rasoir. On les met là. Et puis on mélange, c'est mélangeant, on les met. Je faisais ça piquer. Je vois quelqu'un qui fait. Ça piquait, tout ça pour chercher à guérir. Et conséquence, comme les gens n'arrivaient pas, vous savez, les hommes sont bizarres. Quand il est limité, il essaie de trouver des excuses. Ces charlatans là diront non. Ils diront à ma grand-mère, comme on n'arrive pas à le guérir, eh bien on va le mettre sous régime. Les charlatans mettent même les gens sous les régimes. On m'a interdit de manger tout ce qui était frais. Je ne pouvais pas manger du poisson frais. Je ne pouvais pas manger viande fraîche. Je ne pouvais pas manger surtout les omelettes. J'ai fait 10 ans sans manger omelette. 10 ans sans goûter à l'omelette. C'est pour ça que je récupère. Dieu a dit, je vous dédommagerai les années. Alléluia. Je vous dédommagerai. Et il y avait une viande que je ne pouvais pas manger, parce que si je mangeais cette viande-là, je piquais. C'était la viande de chèvre. Alors quand je me suis converti, j'ai commencé par être au service d'accueil à la borne. Et ce jour-là, il y avait un mariage d'un pasteur qui est décédé. Et j'étais au protocole, je servais, on faisait le service. Et j'avais avec moi un plateau où il y avait un mélange de viande. Et il y avait la viande de chèvre. Vous savez l'odeur que ça dégage, ça sent bon. Hein? Alors j'étais avec le plateau comme ça. Je me suis dit, un moment, il y a cette parole qui m'est venue. Par les maîtres ici de Jésus, il y a la guérison. Amen. Cette parole-là m'est venue. Je me suis dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Mais déjà mes parents n'étaient pas d'accord que je quitte l'église où on priait avant pour commencer à prier à la borne. Alors je me suis dit, s'il arrive que je pique une crise, mes parents ont raison. Alors à un moment, je me suis retiré dans un coin, je me suis assis sur une chaise. J'ai pris le morceau de viande. Alors, entre ma main et la bouche, il y avait deux choses qui se battaient. Il y avait la foi et le doute. Si je mange et que ça ne marche pas, ça sera un discrédit pour l'église. Mais je peux aussi manger, ça va marcher. Alors, plus ça avançait, je ne sais pas combien de minutes j'avais pris pour que ça arrive à ma bouche. Mais j'ai simplement dit, Seigneur, je crois à ta parole. Par tes maîtres, il y a la guérison. Cette viande qui m'a toujours posé des problèmes, je vais la manger aujourd'hui. Je vais la manger aujourd'hui. Frère, je l'ai mangée. Et j'en mange encore jusqu'à aujourd'hui. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais piqué de crise. Dieu m'a guéri miraculeusement. Dieu m'a guéri miraculeusement. Et les parents n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris ce qui s'est passé comment. Quand je les explique, je dis Jésus m'a guéri pour eux, c'est du blanc et du noir. Ils ne comprennent pas. Pourquoi j'ai dit ça, frères et sœurs? C'est pour nous dire que quand le Seigneur a une mission avec vous, en tout cas, quel que soit ce qui arrive là, ça n'aura aucun impact, aucun effet, parce qu'il y a une mission que Dieu a pour vous, frères et sœurs. C'est une mission. Cette maladie-là m'a permis de pouvoir non seulement lire la promesse de la guérison, mais de pouvoir aussi l'expérimenter.
En fait, c'est ça le but de ce qui t'arrive. Dieu aimerait que les choses quittent la Bible, mais qu'elles soient effectives dans ta vie. Il y a des fois, nous confessons, l'Éternel est mon berger. Mais Dieu va te pousser à pouvoir vivre réellement qu'il est ton berger. Tu n'as plus rien. Tu regardes à gauche, il n'y a rien. Tu regardes à droite, devant, derrière, il n'y a aucun secours. Mais en ce moment-là, il se révèle comme le divin berger. Il se révèle comme le divin berger. C'est ça le but de la tempête. Fais quitter les promesses de la Bible et les appliquer à ta vie. Quand nous avons eu notre première fille, j'étais déjà pasteur à l'église. Mais comme c'était une période de stage, on ne nous payait pas. On n'avait aucun support. Je me rappelle, on avait une maison. Mon épouse et moi, on appelait ça le tabernacle. Vous savez pourquoi on appelait ça le tabernacle? Parce que dans le tabernacle, il n'y a ni fenêtre, il n'y a ni chaise, il n'y a rien dans le tabernacle. Pour nous deux, bon, écoutez, les jeunes gens, ils viennent de se marier, ça fait du bien, vous êtes mariés, les restes là, ça vous importe peu, l'essentiel, vous voyez ensemble. Mais, à un moment, ma femme vient me dire, non, j'attends famille. J'ai dit, mais maman, toi et moi, on n'a pas de salaire. Si on vit, on vit comme ça. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as donné. Et quand notre fille est née, nous l'avons nommée Grâce, parce que je vous assure, quand Dieu donne, la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et n'est suivi d'aucun chagrin. Donc si vous recevez quelque chose soi-disant de Dieu, si ça vous amène des chagrins, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est que ce n'est pas de Dieu. Parce que quand elle est venue, les portes ont commencé à s'ouvrir. Et nous a apporté la bénédiction. La bénédiction. C'est pour ça que ce qui vient de Dieu apporte toujours la paix, la joie, le sourire. J'étais en train de dire, il faut que tu comprennes que tout ce que tu traverses là, il y a une leçon que tu dois comprendre. Amen. Tu as toujours connu Dieu comme étant un Dieu d'amour, mais Dieu veut se révéler comme étant un Père responsable. Amen. C'est pour ça qu'il va t'amener à un niveau où tu n'auras plus rien. Il va t'amener à un niveau où tu es contre le mur, tu ne sais plus avancer. En ce moment, Dieu de la révélation, Amen. Il va se révéler à toi. Qu'est-ce que tu gardes après chaque tempête que tu traverses? Quelle leçon tu gardes? Quelle révélation as-tu après chaque tempête que tu traverses? Parce que chaque tempête apporte une révélation. Ce que tu gardes ou reçois après être passé par une tempête est déterminant pour ta croissance. Parce qu'après, les disciples vont connaître le Seigneur d'une autre manière. Job pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quand est-ce qu'il a dit? C'est après la tempête des révélations. C'est après la tempête des révélations. Je suis venu parler à quelqu'un. Le Seigneur m'a mandaté pour me dire, pour te dire par ma bouche que ce que tu traverses là, ça va t'apporter une nouvelle révélation de Dieu. Alors ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Nous sommes comme à l'école. Vous ne pouvez pas éternellement demeurer dans une même classe. Avant de passer dans une classe supérieure, il faut un examen. Et vous savez, pendant la période d'examen, le professeur ne parle plus. Hein? Il a déjà parlé avant. Amen. C'est pour ça que tu as comme l'impression de Dieu silencieux. Le maître ne parle pas pendant l'examen. Il t'a parlé déjà avant. Souviens-toi, il t'a déjà dit quelque chose avant. Amen, amen. Tu as l'impression, non, il t'a déjà dit. Maintenant, là, c'est l'examen. Bouche cousue. Oh Dieu, tu ne me parles plus. Non, je t'ai parlé. Maintenant, fais ton examen. Amen. Fais ton examen maintenant. Souviens-toi de toutes les leçons que je t'ai apprises. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Si tu traverses tes situations, quel comportement tu dois avoir? Maintenant là, je ne parle pas. Il est là, il t'observe. Mon fils Douglas, est-ce qu'il a bien assimilé la matière? Est-ce qu'il a bien assimilé la matière? J'espère que tu vas distinguer à cet examen-là. Parce que c'est comme à l'école. Tu échoues, tu tourneras rond. Tu reprendras la même classe. Tu reprendras les mêmes épreuves. Tu reprendras. Vous savez, il n'y a rien. Il m'est arrivé de reprendre la cinquième année chez nous, la cinquième année biochimie. Il m'est arrivé de reprendre. C'est amer de reprendre une classe. Hein. Vous avez comme l'impression de vous ennuyer. Parce que tout ce qu'on dit là, vous avez déjà vu, vous connaissez déjà. Et dans la vie chrétienne, c'est ça.
Il ne faut pas chercher à avoir toujours les mêmes épreuves. Des fois, quand on en a marre, il faut chercher à aller plus loin. Seigneur, j'en ai assez de ces épreuves-là. Je veux une classe, passer dans une classe supérieure. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Peut-être tu es encore jusqu'au niveau d'entendre Dieu. Mais maintenant, il faut que tu le voies. Il faut que tu le voies, frères et sœurs. Et j'insiste, le professeur, il ne va plus rien te dire. Il sait qui t'a déjà tout dit. Après cette tempête, les disciples ont eu la révélation de notre Jésus. Le Jésus qui commande même au vent. Avant, ils ne l'avaient pas connu comme ça. Avant, ils connaissaient un Jésus qui pouvait multiplier le pain. Avant, ils connaissaient un Jésus qui pouvait guérir la femme à terre de pertes de sang. Avant, ils pouvaient connaître le Jésus qui pouvait faire autant de choses, qui pouvait parler durement aux scribes et aux pharisiens. Mais maintenant, là, ils connaissent le Dieu qui est capable de pouvoir commander même au vent. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Après cette épreuve, tu vas découvrir une autre dimension de ton Dieu. Tu découvriras une autre dimension de ton Dieu. Je priais ce matin. J'ai dit, Seigneur, ceux à qui cette parole est adressée, le vivent et le témoignent dans cette église. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un monument. Notre Dieu, ce n'est pas un monument. Je suis venu te dire et te rappeler que Jésus n'est pas celui qui commence une chose qui ne l'achève pas. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis et debout. Oh, vous savez, je suis fils de militaire. Généralement, quand les officiers passent, il y a les soldats qui sont. Et les généraux passent les troupes en revue. Je suis venu t'annoncer que le général d'armée est en train de passer les troupes. Il passe les troupes en revue. Il est assis sur son trône. Ce trône-là qui ne bouge pas. Et il dit, mon fils, tiens bon. Tiens bon. Là où les autres ont péri, tu ne périras pas. Là où les autres ont succombé, toi tu ne succomberas pas. Parce que la mission, en fait, chaque épreuve est proportionnelle à notre destinée. C'est pour ça, ne dis pas mais pourquoi l'autre ne souffre pas autant que moi. Nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas le même chemin. Nous n'avons pas le même parcours. Nous n'avons pas... Frère, Abraham a fait longtemps pour avoir un enfant. À un moment, Dieu va lui dire, Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique, celui que tu as. Quand je passe souvent de ces passages, je suis étonné. Toutes les promesses qu'Abraham avait reposées sur Isaac. En fait, Isaac était la garantie de l'accomplissement des promesses. Parce que c'est d'Isaac que Abraham devait devenir père de multitude. Mais écoutez, Dieu va dire à Abraham, sacrifie-moi ton fils. En fait, quelque part, Dieu est en train de dire à Abraham, je vais détruire la garantie de l'accomplissement des promesses dans ta vie. Vous imaginez? Ce sur quoi les choses vont se déclencher dans ta vie. Dieu dit, donne-le-moi. Abraham n'a pas hésité. Parce qu'en fait, il savait. Même si la garantie de la promesse allait être détruite, Dieu savait que Dieu est lui-même la meilleure garantie possible. C'est pour ça même le prophète, quand il va aller vers le torrent de Kérit, même si le torrent sèche, il ne se dira pas, Seigneur, tu m'as envoyé au torrent, le torrent sèche. Non, Dieu, il a beaucoup de solutions. Le torrent sèche, il y a la veuve de Sarepta qui est là. Il est capable d'amener, parce que Dieu a la politique de ses moyens. Il est capable d'amener quelqu'un du Congo pour seulement, peut-être qu'il m'a amené pour seulement accomplir la promesse qu'il t'a faite dans ta vie. J'aimerais que tu voies Dieu sous cette dimension-là. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurnicher. Il y a une chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est les lamentations. Deux choses plutôt. Elle le sait. Je n'aime pas me lamenter. Je n'aime pas qu'on s'apitoie sur moi. Parce que personne ne peut s'apitoyer sur moi en tant que Dieu. Vous savez, il y a des gens qui aiment toujours qu'on les regarde. Oh, ça va. Courage, hein. Et tant qu'on n'aura pas dit ça, ils ont l'impression que le monde s'arrête là. Ils aiment toujours ça. Quand on vient, on les tapote au dos. Ça va, ça ira. Et quand on n'a pas fait, on n'aime pas. Dans cette église, on n'aime pas les gens, on s'occupe pas. Mais non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que toi, tu regardes aux hommes. Mais regarde à celui qui est au ciel. Regarde au Dieu. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Jésus n'est pas mort pour rien. Imaginez-vous le Fils de Dieu assis dans sa gloire, descendre, naître dans une condition vraiment inimaginable. Mourir comme un brigand pour rien. Non, moi je m'approprie toujours cette œuvre-là. Je me dis, Seigneur, si tu es mort pour que je sois quelqu'un dans la vie.
Et chaque fois que tu auras une révélation, ça va te pousser à autre chose. Chaque fois que tu vas découvrir Dieu sous une autre dimension, eh bien, il y a des choses qui vont se déclencher dans ta vie. Les mages ont été envoyés par Hérode. Hérode est allé. Il allait aller voir où est né ses fils. Ils sont partis. Mais quand Hérode a appris que ces mages avaient finalement détourné la mission pour laquelle ils sont partis, la Bible dit, j'aime ça, il fut divinement averti. Bien-aimé, quand vous rencontrez le maître, la révélation est toujours là. Il fut divinement averti de ne pas retourner par le chemin par lequel ils sont venus parce que Hérode les attendait là. Frère, la révélation va toujours vous pousser une nouvelle dimension avec Dieu. C'est pour ça, même si tu dis pas amen, je voudrais prier que les tempêtes viennent encore grandes dans ta vie pour qu'il y ait de nouvelles révélations. J'ai dit amen à ta place. J'ai dit amen à ta place. Parce qu'il y a des choses qui doivent venir avant que les autres ne viennent. Et parmi les choses qui doivent venir avant, il y a des tempêtes, il y a des secousses, il y a des choses, des incompréhensions. Oui, ça vient si ça vient de Dieu. Parce que quand ça vient des hommes, c'est pas bon. Vous savez, je dis souvent à l'église, quand c'est Dieu qui vous élève, quand vous allez rechuter, il est capable de vous accueillir. Si c'est Dieu qui vous élève, vous tombez, il est là. Mais quand ce sont les hommes qui vous élèvent, ils vont bien se rire de vous pendant que elle est tombée. C'est ça l'homme. C'est pour ça, laissez-vous élever par Dieu. Parce que lui, il sait vous prendre à tout moment. Il sait vous recueillir à tout moment. Je vais aller en terminant ce matin. Et j'aimerais dire, vous pouvez tout oublier. Retenez ces deux choses. Les disciples devaient comprendre qu'avec le maître dans la barque, la vie était assurée. Parce que le maître n'allait jamais mourir par noyade. Le maître allait mourir à la croix. C'était ça, sa mission. Donc Jésus est avec nous, même si ça arrive, on ne mourra pas. Vous avez Jésus avec vous, même si ça arrive, vous ne mourrez pas. Le Seigneur sait par quelle voie vous sortirez. Ensuite, comprenez, les disciples devaient comprendre que le maître avait les avait investis d'une mission. Et tant qu'ils n'avaient pas fait cette mission-là, la mort n'était pas au rendez-vous. La mort n'était pas au rendez-vous. Vous avez des promesses que Dieu a faites. Il y a des promesses qu'il faut qu'elles se vivent ici sur terre. Amen. Amen. J'insiste, il y a des promesses qui doivent être vécues ici sur terre. Mais il y en a d'autres qu'on vivra au ciel. Alors pour celles qui sont de la terre, elles doivent être vécues, et je dis bien à 100%, pas à 50%. Amen. Il y a des gens qui aiment se contenter du 50%. Oh, Dieu a fait, il a fait un peu, ça me suffit. Non. On aime le dire, notre Dieu, c'est jusqu'au boutiste. C'est un mot que j'invente encore. Qui veut dire quelqu'un qui va jusqu'au bout. Mettez ça dans un nouveau dictionnaire. Et vous mettez entre parenthèses, inventé par Alain Kitenge. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, et de manière prophétique, après notre passage dans cette église, quelqu'un va recevoir la révélation de Dieu au travers de cette tempête qui souffle dans ta vie. Je l'ai dit au début, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à une catégorie de personnes. Je prie que le Seigneur se révèle dans votre vie. Voudrez-vous vous lever avec moi un moment? Je voudrais juste avant qu'on passe un moment d'adoration. Parce que dans cette adoration-là, Dieu va parler dans ton cœur. Les amis vont nous aider, je ne sais pas quel cantique, mais je voudrais que nous levons nos mains. As-tu compris l'amour de Dieu? As-tu compris ce que Dieu est capable de faire? As-tu compris ce que Dieu veut faire avec toi? As-tu compris, mon bien-aimé, que c'est que tu traverses une tempête de révélation? As-tu compris ça? Je voudrais qu'avant même que les cantiques ne viennent, tu élèves tes mains et ouvres ta bouche. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Adore-le. J'aimerais que tu l'adores. J'aimerais que tu l'adores.